Bonjour à toutes et à tous, même Minou et même Minette. On se retrouve sur du Pokémon version Ruby, un nouveau let's play sur ma chaîne. Donc j'espère que vous en serez très heureux. En tout cas, j'espère que vous le voyez, grande nouveauté, exclusivement je précise, pour ce nouveau let's play là. Un fond d'écran pour rendre le... comment dire, les vidéos sur ce display un peu plus abordable. La pile interne est épuisée, vous pouvez continuer à jouer, mais les événements dépendant de l'heure n'auront pas lieu. Ah, j'ai encore une partie, mais je ferai une nouvelle partie avant de commencer. Je vais expliquer un peu le fonctionnement de ce nouvel arrière-plan. A chaque fois que j'aurai un nouveau badge, à chaque fois que j'aurai un nouveau Pokémon dans mon équipe, à l'épisode suivant, il sera mis... sur le fond d'écran, comme ça on pourra voir qui j'aurai dans ma partie. En espérant, encore une fois, que cela vous plaise. N'hésitez pas à me le faire savoir en N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Nous allons faire nouvelle partie. Voilà. Bonjour, désolé pour l'attente. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Je m'appelle Seiko, mais tout le monde ici m'appelle le professeur Pokémon. Voici ce qu'on appelle un Pokémon. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Nous les humains vivons avec les Pokémon. Il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Et parfois, nous nous réunissons pour nous affronter au cours de formidables combats. Mais malgré nos liens, nous ne savons pas tout sur les Pokémon. En réalité, il existe d'innombrables secrets concernant les Pokémon. Pour percer le mystère des Pokémon, je les étudie. C'est mon métier, je suis chercheur. Et toi, qui es-tu? Alors une fois n'est pas coutume, hein, on va la... Bah déjà de une, on est un garçon. MDR Seb. Une fois n'est pas coutume, hein, on va l'appeler... par notre prénom. Comme ça, les abonnés les plus récents sur ma chaîne pourront voir comment je m'appelle. Non. Voilà. Il y a assez de place pour mon prénom, youhou! Tu t'appelles Julien, c'est cela? Ouais. Ah, mais c'est vrai! Tu es Julien? Tu viens d'arriver à Bourg-en-Vol, où j'habite. Je me souviens maintenant. Bon, comment te sens-tu? Tu es sur le point de commencer une aventure unique. Fais preuve de courage et plonge dans le monde des Pokémon où tu vivras de belles aventures, remplies de rêves et d'amitié. Bien, rejoins-moi plus tard. Viens me voir au labo Pokémon. Eh bien mon gars, je me sens je me sens vraiment bien parce que... Comme pour tous les let's play que je fais sur ma chaîne, hein, c'est du nouveau, donc c'est du tout neuf, ça arrive. Alors voilà notre mère. Julien, on est là, chouchou. C'est fatigant de voyager avec les meubles dans le camion de déménagement. Voilà, c'est Bourg-en-Vol. Tu trouves ça comment? C'est notre nouvelle maison. Ça paraît un peu pittoresque, mais agréable à vivre. Tu ne trouves pas? Oui, bien sûr. Et tu as ta propre chambre, Julien. Allons voir. Alors, Julien, c'est joli ici, non? Les Pokémon déménageurs font tout le travail et nettoient après. C'est vraiment pratique. Julien, ta chambre est à l'étage. Va voir à quoi elle ressemble, mon chou. Papa a acheté une nouvelle horloge pour fêter notre déménagement. N'oublie pas de la mettre à l'heure.
Ouais, bof, t'inquiète pas, même si c'est pas très utile. L'horloge est arrêtée, il vaudrait mieux la remettre à l'heure. Selon moi... On va y aller plutôt rapidement. Voyons voir. Je pense que c'est ça. Non, c'est ça. Je crois. Non, c'est ça. Ouais. Julien, ta nouvelle chambre te plaît? Excellent, tout est bien rangé. Ils ont fini le déménagement aussi en bas. Ces déménageurs Pokémon sont vraiment très pratiques. Oh, assure-toi que tes affaires se trouvent bien sur ton bureau. Ok. Stockage retiré. Ah, on a une potion, ça c'est cool. Ouais, ça je sais déjà. C'est une Nintendo GameCube. Une Game Boy Advance est branchée dessus et sert de manette. Ah, la Nintendo GameCube. Quand même, la mienne, je pense qu'elle devrait avoir 8 ou 9 ans déjà. C'est une émission... Enfin, cette émission plairait à papa. Je ferai mieux de filer. Et on a un lit. Concernant ceci, Julien regarde attentivement la carte de la région de Hoenn. Voilà ce qu'on devra traverser, mes amis. Oh, Julien, vite, viens voir. Regarde, c'est la reine de Clémentiville. On va peut-être voir papa. Journaliste. Ce reportage vous a été présenté devant la reine de Clémenti. Oh, c'est terminé. Ils ont sûrement interviewé papa, mais on l'a raté. Dommage. Ah tiens, l'un des amis de papa vit ici. Il s'appelle Prof Seco. C'est notre voisin. Tu pourrais aller lui dire bonjour et te présenter. Ok. Alors comme je l'ai dit précédemment dans d'autres vidéos, si je ne mets pas la facecam, c'est pour des raisons personnelles. J'ai déjà fait des vidéos en facecam, hein, ça ne me dérange pas de les faire. Mais comme je vous l'ai dit, les vidéos en facecam, je les ferai quand j'aurai mon propre appartement. Si tu utilises un PC, tu peux stocker les objets des Pokémon. Le pouvoir de la science est incroyable. Le prof Seco passe des journées entières dans son labo à étudier. Tout d'un coup, il part faire des recherches dans la nature. Mais quand le prof Seco est-il chez lui? Ça, je suppose que ouais, c'est son labo. On va pas y aller maintenant. Oh, bonjour, qui es-tu? Oh, tu es Julien. Nos maisons sont voisines. Notre fille a le même âge que toi. Notre fille avait hâte de te connaître. Tu devrais aller la voir à l'étage. Alors, dans Pokémon premier du nom, notre rival, c'était... il avait tout d'un rival, hein, quand même. Même s'il était un peu prétentieux. Dans le deuxième, c'était un rival, quand même... assez... j'allais dire méchant, mais bon, il a quand même... son côté, son passé, mais bon, il est plutôt vulgaire. Et là, nous avons un rival assez sympatoche, qui est Flora. Pokémon en pleine santé, objet prêt, et un... Qui es-tu? Oh, tu es Julien, donc tu as emménagé aujourd'hui. Je m'appelle Flora, enchanté de te rencontrer. J'ai rêvé que tous les Pokémon du monde entier devenaient mes amis. J'ai entendu parler de toi, Julien. Pars, papa, prof Seco. J'espérais que tu serais sympa. Julien, et qu'on pourrait devenir amis. Oh, c'est un peu bête, non? Je te connais à peine, Julien. Oh non, j'oubliais. Je devais aller aider papa à attraper des Pokémon sauvages. Julien, on se retrouve plus tard, ok? Ok, pas de problème. Sinon maintenant je pense qu'on va devoir aller. Quelqu'un crie dans cette route. Je l'entends. Que dois-je faire? Que devons-nous faire? Quelqu'un doit aller l'aider. À l'aide!
Salut toi, là-bas, je t'en supplie, aide-moi. Dans mon sac, il y a des Pokéballs. Ah là là, le moment où on attend... Enfin, le moment du starter. Bon, moi, ça va être direct. Hein. Voilà, Poussifeu, à l'attaque. Mediena. Ouf! J'étudiais les Pokémon sauvages dans les autres herbes quand il m'a sauté dessus. Tu m'as sauvé, merci beaucoup. Oh! Hé, c'est toi, Julien? C'est pas un endroit pour discuter. Passe me voir au labo Pokémon, ok? Alors, Julien, ton père m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a dit que tu n'avais pas encore ton propre Pokémon. Mais tu as fait preuve d'un aplomb formidable pendant ce dernier combat. Je suppose que le sang de ton père coule dans tes veines, après tout. Je sais ce que je vais faire. Pour te remercier, je vais te donner le Pokémon que tu as utilisé tout à l'heure. Julien reçoit Poussifeu. Si tu veux, tu peux donner un surnom à ton Poussifeu. Alors on va faire comme dans le Pokémon d'avant, c'est-à-dire on va donner des surnoms à nos Pokémon. Poussifeu, 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 Poussifeu. Comment va-t-on l'appeler les... Je vais l'appeler d'une manière assez kawaii et quand même assez aussi ridicule, mais j'ai envie de le faire. Ouais, je sais. Il va me détester, je pense, mais on va l'appeler Poussiné. Si tu entraînes ton Pokémon et que tu gagnes de l'expérience, tu feras un bon dresseur. En ce moment, Flora étudie les Pokémon sur la route 103. Ce serait une bonne idée d'aller voir Flora. Qu'est-ce que tu en penses? Super. Ça fera plaisir à Flora. Demande-lui de t'apporter de t'apprendre en quoi consiste la vie de dresseur. Le prof Seko étudie l'habitat et la répartition géographique des Pokémon. Le professeur aime aussi se faire aider par Flora. Il s'aime beaucoup. Non, sans déconner. Je suis content que tu aies sauvé le professeur. Ok. Les Pokémon sauvages vont te sauter dessus dans les hautes herbes. Pour attraper des Pokémon, tu dois aller dans les hautes herbes et chercher. C'est la base. On a Mediena devant nous. Si tes Pokémon sont fatigués, emmène-les dans un centre Pokémon. Il y a un centre Pokémon à Rosière, tout près d'ici. Ok. Bonjour, je travaille dans une boutique Pokémon. Je peux t'emmener avec moi? C'est une boutique Pokémon, on la reconnaît au sous-toit bleu. Nous vendons divers produits, dont les Pokéballs, pour attraper les Pokémon. J'aimerais que tu prennes ça, comme si c'était une offre promotionnelle. Voilà, potion. Tranquille, je veux faire une pause, alors je sauvegarde ma partie. Ah, quand même, au niveau des sauvegardes, on sera bien plus à l'aise parce que je vous rappelais que dans... Que pour les épisodes de Pokémon version argent, je faisais des trucs pour sauvegarder. Je viens juste de découvrir les empreintes d'un Pokémon rare. Attends que je finisse de les reproduire, d'accord? Ok. Quelqu'un... Enfin, quand un combat Pokémon commence, celui qui est à gauche de la liste part au combat en premier. Donc quand tu auras plus de Pokémon dans ton équipe, tu pourras modifier l'ordre des Pokémon. Ça pourrait te donner l'avantage. Effectivement, on a vu ça à l'œuvre dans la ligue Pokémon d'argent. L'étage du centre Pokémon vient d'être construit, mais ils prétendent avoir encore besoin de faire quelques petits travaux. Le PC est dans le coin et à la disposition des dresseurs de Pokémon. Naturellement, tu peux l'utiliser quand tu veux. Les centres Pokémon sont géniaux. Tu peux utiliser leurs services autant que tu veux. En plus, c'est gratuit. Pas de soucis. On va soigner donc notre Pokémon et on va partir d'ici. Le jeu commence à laguer, c'est pas très bon ça. Venise, ouais. Ah. Ok, donc on est mort.
C'est... On fait comme si on n'a rien vu, hein. Bon, t'as fini, toi? Mon Pokémon est terriblement fatigué. J'aurais dû apporter une potion. On n'a pas eu de chance sur ce coup-là. Level 6. On va entraîner un peu Poussifeu. C'est pas une bonne idée. On sauvegarde. Et go l'entraîner. Voilà. Lui, on l'ignore. Voyons, les Pokémon trouvés sur la route 103 comprennent... Oh, salut Julien. Oh, je vois, mon père t'a fait cadeau d'un Pokémon. Puisqu'on est là, on n'a qu'à se faire un petit combat. Je vais te montrer ce que c'est qu'être un dresseur. Un combat est lancé par le dresseur Flora. Et un Gobou en sort. Poussiné a gagné 69 points d'expérience. Vous avez battu Dresseur Flora. Waouh, c'était génial, Julien. Tu as beaucoup de talent. Maintenant, je crois savoir pourquoi mon père garde un œil sur toi. C'est vrai, tu viens juste d'avoir ce Pokémon et il t'aime déjà. Tu peux peut-être renouer des liens avec n'importe quel type de Pokémon. Bon, il est temps de retourner au labo. Ouais, comme tu dis. Julien, par là, vite, au laboratoire. Oh bah attends, Attends un peu, Minette. Oh, bonjour, Julien. Il paraît que tu as battu Flora. Belle performance. Tu as remporté ton premier combat contre un dresseur averti. Flora m'aide dans mes études depuis bien longtemps. Flora a déjà de l'expérience comme dresseur. Tiens, Julien, j'ai commandé ça pour mes recherches. Et je crois que ce Pokédex te sera plus utile qu'à moi. Pokédex, c'est un outil de haute technologie et qui enregistre automatiquement les informations sur les Pokémon rencontrés ou attrapés. Flora emmène le sien partout. A chaque fois qu'un nouveau Pokémon est enregistré dans son Pokédex, Flora vient me chercher sur le terrain pour me le montrer. Oh, c'est super, Julien. Toi aussi, tu as un Pokédex. C'est génial, tout comme moi. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Ouais, les Pokéballs. Tu verras, c'est marrant d'attraper plein de Pokémon. Ouais. Je vais aller explorer un peu la région, parce que je veux d'autres. Si je trouve des Pokémon mignons, je les attraperai avec des Pokéballs. Ceci étant fait... Attends, Julien. Julien, as-tu fait connaissance avec le professeur Seko? Oh, quel adorable Pokémon. Le professeur Seko te l'a donné? C'est gentil. Tu es bien comme ton père. Tu sembles être en accord avec les Pokémon. Tiens, chouchou, si tu pars à l'aventure, mets ces paires de chaussures. Elles vont te faire aller plus vite. Voilà, ces chaussures s'accompagnent d'un mode d'emploi. Ouais. Je sais comment m'en servir. Voilà. On va beaucoup plus vite maintenant. Et on est level 8. Déjà. Avant de continuer, vu que c'est le premier épisode et vu que ça lag un petit peu, je propose qu'on s'arrête pour ce premier épisode. J'espère que ce début de Let's Play vous plaira, mes minous. En tout cas, moi, très content de le débuter en votre compagnie. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à lâcher un petit pouce bleu et à partager la vidéo autour de vous. C'était J12 pour vous servir ce premier épisode sur Pokémon version Ruby. Pas Omega, mais bon, Ruby. Ciao mes minous.